Ici, on restaure une grande partie des objets qui seront présentés dans la rénovation. Sur l'année 2021 et la première partie de 2022, il y a une activité intense dans ce centre de recherche et de restauration, puisqu'on a restauré environ 1000 objets, quelque chose d'extrêmement rare qui se produit une fois par siècle peut-être dans l'histoire d'un musée. C'était quelque chose de très très fort. Il y a 3 restaurateurs internes qui font partie de l'organigramme du musée qui en ce moment se concentrent exclusivement sur les maquettes de bateaux parce qu'elles ont avec l'agrément une compétence que l'on peut trouver nulle part ailleurs. Tout ce qui n'est pas maquette de bateaux a été externalisé, c'est-à-dire qu'on a fait appel à une centaine de restaurateurs extérieurs de toutes les spécialités, du papier, du bois, du verre, du métal, de la céramique, peinture, etc., textile, de manière à pouvoir restaurer les autres œuvres. Vous avez ici devant vous une maquette de très grande taille qui fait entre 4 mètres de haut par 6 mètres de long, qui s'appelle en fait le Royal Louis, qui est un modèle d'arsenal qui a été fait à Brest dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui a servi surtout de modèle d'instruction. Donc les élèves officiers de marine venaient se former à la compréhension des manœuvres sur ce modèle. Et vous avez aussi sur ce modèle une particularité qui est la présence de pivots. Et ces pivots étaient fixés sur des trépieds et on pouvait faire basculer le bateau pour simuler un abattage en carène pour effectuer des manœuvres et pouvoir réparer. La principale difficulté, c'est la dimension de l'œuvre. Parce qu'en fait, ce sont des opérations de restauration extrêmement répétitives sur énormément de volume. Nous, on ne souhaite pas refaire l'objet, on souhaite préserver au maximum la dorure d'origine. Donc là, en fait, je suis en train de retoucher les lacunes de dorure afin que le visiteur puisse retrouver la lisibilité du motif sans que son œil soit attiré par les altérations. En fait, là, ce que je cherche à faire, c'est vraiment à effacer l'altération, mais pas à redorer l'ensemble du modèle. Donc, en fait, je travaille à l'aquarelle, pas du tout avec de la dorure, et je viens juste retoucher à la couleur de fond. Alors, sur ce modèle, nous avons déjà effectué le nettoyage de toutes les surfaces textiles. Nous avons également nettoyé les encrassements des bois peints. Nous sommes en cours de consolidation et de retouche de toutes les parties du château arrière en bois doré. Nous allons également effectuer les restitutions de gréement. En revanche, tout ce qui concerne les voiles, donc les perforations, les déchirures et les pertes de résistance mécanique, vont être traitées par une restauratrice spécialisée en textile. La première étape du travail de restauration, c'est vraiment de comprendre l'objet qu'on a sous les yeux. Je suis spécialisée en bois, Bénédicte est spécialisée en métal, et en intégrant l'atelier du musée, nous avons été formés déjà à la technicité du gréement et à la restauration du gréement par les restaurateurs qui étaient là en fait avant nous. Nous disposons d'une corderie miniature qui fait 6 mètres de long et qui nous permet de fabriquer des cordages à la demande, sur mesure, du bon diamètre, avec le bon nombre de torons. Nous nous trouvons actuellement dans l'atelier de restauration du Musée national de la Marine, qui est un espace de près de 250 mètres carrés, subdivisé en plusieurs espaces, un espace de laboratoire, un espace de travail sur les objets, un espace informatique et enfin un espace dédié exclusivement à la corderie. Les cordages sont en fibres textiles, principalement des fibres de coton, des fibres cellulosiques, qui sont les premiers éléments à souffrir des variations d'hygrométrie, des UV, de mise sous tension. Et en plus, ce sont des éléments de très faible diamètre. Donc il arrive régulièrement que ces matériaux s'altèrent et perdent leur cohésion mécanique et finissent par se rompre et disparaître. Donc soit le cordage est encore assez sain et on peut le restaurer, donc on peut réaliser un collage avec un doublage de la matière et auquel cas on sauve la manœuvre originale. Et sinon, quand le cordage est vraiment très altéré et qu'il s'effiloche, là on va procéder à une restitution de la matière et on utilise la corderie pour remplacer à l'identique le cordage. Thank you.
fait, en tant que restauratrice, de pouvoir restaurer de tels objets avec un passé aussi important, avec une histoire, pour nous, c'est extrêmement gratifiant. On a l'impression, en plus, de faire en sorte de préserver au maximum ces objets pour qu'ils puissent être transmis aux générations futures. Et on essaie de se substituer à l'objet, donc ne pas intervenir trop lourdement pour pouvoir essayer au mieux de le transmettre tel qu'il est pour les générations d'après.